joue plus alors qu'on est vendredi soir et qu'en finalement ils font genre ils ont une vie sociale ou quoi? Non, ils jouent à d'autres jeux. Genre moi, le soir, je joue à Genshin Impact, tranquille, depuis le divan avec la manette. J'adore ce jeu, il est génial. Ah là là, c'est des Russes, ça va être une team à tous les coups. C'est le druide heal qui a pris le... l'orbe. Je burst le druide, go go go. Je le kick. Focus le druide, c'est lui qui a l'orbe, bon sang. Il doit être déjà mort. Ok, nickel. On se fait farmer. Non, c'est bon, ils étaient en train de taper les autres soigneurs. La magie de retour. Oh non, en fait, il s'est encore fait buter. Nickel. Il est mort le druide. On a plus d'orbe. Si on voulait des DPS là. Sans dead. Ok, sortons de l'arène, sortons de l'arène. J'ai dû mourir avec vous. Il est à 21h40 le sac, ça marche, merci en long. Go se battre, restez groupés, restez groupés. Groupés. Au centre. Focus porteur. Puis il. Putain, frère la côte qui arrête pas de crever. Des dégâts au moins? Même pas. Vas-y, je t'aide, lui. Voilà, t'es dégage. Nos prêtres sont en train de se faire farmer au centre. J'ai un freeze! Ouais, on va pas au centre, on va attendre qu'il repop. On prend pas d'orbe pour l'instant. On va attendre qu'ils reviennent. Je meurs avec les dots et le druide. Dans de gros dégâts, prêtre ombre. Manu! Il a raté le snip, du coup, en galère. Ah, tu vois, ils sont bien tous au centre, bien paqués. Y'a pas moyen qu'on attaque en même temps.
Ah, mais pourquoi il attaque tout seul, Naito? Qu'est-ce que tu fous? Je pull le chasseur. Qui c'est le chaman LM, ensuite le second. Il est mort maintenant, le druidil, le stun. C'est n'importe quoi, druidil, franchement, go les nerf encore plus. Hein. Ok, on est en train de reprendre le dessus. On n'a pas beaucoup d'orbes. On veut maintenir le centre. Le gamer. Comment il fait pour être encore en vie, lui? C'est pas possible. Ok, c'est bon, il est mort. Continue à VH, régène les heals si vous pouvez. Passez à régène, passez à régène. Revenez dans l'arène. Centre. Revenez. Ce buff. Potion. Pierre de soin. Festin. On profite de ce répit pour se régène. On pull le porteur, on le stun, on le burst. Il est mort. Ok. Nickel, nickel. Je poigne le chasseur. En fait, il est là-bas. 6 secondes pour la poigne. Mage derrière, attention. Beau fight, GG. Ah oui, vraiment très très beau BG.
Excellent comeback, on poigne le chaman. D'avoir. Prêtre en moi, c'est lui qui fait les dégâts. On défausse. Il est en mode raté, évidemment. Nickel, burst. Machin dans les dents, prêtre ombre. Ok, je vais prendre une dent pour finir. Potion de vitesse, potion d'eau salée. Excellent BG, franchement. GG les heals. GG les dégâts. Mais actuellement, c'est un peu la dèche. En fait, je crois qu'il n'y a aucun truc à acheter d'intéressant à un niveau d'honneur. Ni avec les marques d'honneur. J'espère qu'avec les marques d'honneur, ils vont jeter des trucs au PNJ de Shadowlands. J'espère, je prie. Allez, prépote. Snipe le druide. Ah ben, c'est le. C'est le guerrier qui est mort. Merci beaucoup, y a pas de soucis. Après, ça peut être intéressant ces objets-là que le vendeur à Hurlevent vend. Donc pour toi, ça serait Orgrimmar. Si t'as jamais fait de PVP à la saison 3, tu auras probablement un set d'apparence à acheter. À moins que tu l'aies déjà d'une saison passée. Je pense que c'est juste une copie d'une saison passée. Voilà, troisième ou la quatrième. Allez, go VH! On les farm au cimetière. Est-ce que tu comptes faire un personnage côté Ali, Guxi? À Shadowlands? On a besoin de joueurs. Il y a quand même pas mal de guildes qui sont transférées à l'I pour Shadowlands. Tu ressens le nerf en précis 30% sur un spell. Tu penses qu'il va être nerf Mika? Nope, pas pour l'instant. Un heal s'il te plaît. Ouais, un heal ça serait bien. Tu devrais. Genre au moins avoir un personnage côté Ali. J'ai la def. J'ai aussi un personnage côté horde. 30% sur la save, mais tu n'utilises pas. Ah ouais, mais ça c'est une AOE. C'est bidon. On s'en fout. J'aime depuis le Switch 7 perso, mais que côté horde, j'en ferai bientôt, je pense. Voilà, je te m'en motive, toi. Un ou deux côté Ali là. Un heal, un tank, un DPS. Ou un druide, ça peut tout faire. Comme ça, tu pourras faire du PVP avec nous. Quand t'en auras marre des files d'attente côté horde, qui durent 3 pommes.
Après, on peut tag Ali côté Horde avec un PNJ. Ouais, c'est le mode mercenaire. C'est sympa, justement, il y a plusieurs joueurs qui viennent jouer avec nous de temps en temps. Exe, Slider. Mais le souci de ça, c'est que tu peux pas être dans notre groupe spécifiquement. Là. Tu peux seulement être snipé, tomber éventuellement dans le même BG que nous. C'est pas la même chose d'être directement dans l'équipe et être sûr d'être avec nous. Moi je vais utiliser mon druide de côté Horde pour faire les mythiques plus. Puis tous mes persos Ali pour faire le PVP. Ah, j'ai pas mangé, bon jeu à toi. Salut Goody, bon appétit, bonne soirée. N'oublie pas de suivre la chaîne. À la prochaine. Je vais jouer avec une bonne team qui nous dit Nîmes dans le BG. Bim, la pub. On va laisser régène rapide. Ouh, le nom qui prend un ticket, ça y est. C'est fini le farm. Il a envie de sang. Je veux du sang. Ok, il y a un mec qui défend. Côté Horde. C'est abusé quand même, le prêtre. Oui et non. Genre, il est fort parce que... il a personne sur le dos. S'il y avait un mêlée sur sa tête, ça serait pas tout à fait la même chose. Et il va marquer, les gars. Là, vous êtes tous au cimetière, là. Ouvrez les yeux un petit peu. Putain que c'est énervant les druides farouches. Tu as rejoint ton SP hier. Rejouer tu veux dire? Ouais, je le rejoue depuis mercredi. Et oui c'est fort, ça fait plein de dégâts. Ça fait plein de heal aussi. Là ce qui est abusé avec Manu c'est qu'il tue tout le monde. Avec son essence, il met des dots sur tout le monde, il fait des dégâts, masse dégâts. Et ensuite il les achève avec flamme ravageuse. Et ils sont en train de se réveiller là. Ils sont pas contents. N'importe quoi, oui, rejouer. Et je pensais me faire défoncer avec le prêtre, mais finalement j'ai quand même 18 000 points de vie. Genre j'ai les pièces d'azérite qui font le café en termes d'endurance. Faut faire attention, ils pourraient gagner si on fait n'importe quoi. Ils ont le flag là. Go prendre le suivant.
Merde, je sais pas qui court au moins. Ah, je vais mourir. J'aurais dû courir. Autre fois qu'il est un peu ce feral. Ouais, bah maintenant je comprends, hein. J'essaie de le buter. Hein. Après, c'est toujours utile d'avoir un joueur dans le groupe qui est très très haut en dégâts, genre qui se concentre seulement sur le DPS. Ce qui fait qu'ensuite, moi, je peux me concentrer un peu plus sur le flag. Hein. Et tuer la cible qu'on a besoin de tuer. Ou la récup, n'importe. Ça facilite pas mal les choses. Puis quand toi t'es avec lui en même temps, ça fait double d'auteur, c'est encore plus fort. Là. Le patch de la bêta s'appliquera mercredi. Le patch de la bêta s'appliquera mercredi. Ah, ok. Ouais, ils vont faire un test là, c'est aujourd'hui qu'ils font le test de. De Shadowland. Stress test. Moi je l'ai toujours pas la bêta. Mais bon là ce serait vraiment trop tard pour en profiter. Oulala, il va marquer, il va marquer. Prenez le flag. Ah là là, c'est quoi ce... Oh my god, prenez le flag. Oh là là, go finir dans go lose, ouais, plutôt. Faut que vous escortiez le porteur, les mecs. Les soigneurs. Je reste en défense. Quelqu'un en défense avec moi? On est en full récup. Ah ouais, c'est Blachir qui a le flag, merde. Je suis tout seul, je vois ça mal. On va mettre un trap ici. Il y a deux prêtres ombres ici. Qu'est-ce que je fasse? Ok, je l'ai eu. En même temps, on est que 4 dans la team. Hein. Les 6 autres, c'est des pick-up. Hein. Thank you.
suffit de défendre Manu, Blachir, Ori. Ori, toi, il faudrait que tu t'escortes le porteur et les deux autres DPS, on se concentre sur la récup. On a juste à l'empêcher de marquer. Il a feinté à pile au moment. C'est bon, c'est GG. Allez, go, 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 go. C'est la balistique. Il est là, tuez-le, défoncez-le. Ah, malheureusement, si j'étais avec mon chasseur, je l'aurais tellement tué. Mais je suis pas du tout avec le bon personnage là. Mais vraiment pas. J'ai personne pour du BG côté. Il y a Golden sur le chat là qui en fait de temps en temps un pick-up. Je vois si c'est un pick-up avec des gens qu'il connaît. Côté Horde. C'est quand même assez haut, à plus de 2000 de cote. C'est sûr que les BG côté côté Horde, c'est plus simple vu qu'il y a plus de joueurs pour trouver une équipe. Côté Ali, c'est la mort, c'est comme pour les mythiques plus. Allez, tuer Lipstick, il est où? Il y en a rien. Melantifir. Dispel, ship le heal. Est-ce qu'il peut m'envoyer valser un prêtre? Et bim, dans les dents, lib. Au revoir, retourne à Orgrimmar. Et je me meurs pas d'instant. Aïe, aïe. Aïe, j'ai mal. J'ai pas de matinale, j'ai mal. Pouh, je vais mourir. Ah, oh, climat. Bah, d'habitude, c'était retourne à Dalaran, mais bon, ça fait longtemps qu'on retourne plus à Dalaran. Quand t'es ralenti avec Shaman Amelio, t'as tellement rien à faire, c'est nul ce spé.
ou vraiment que je change, ou je teste l'aspect élémentaire, que je refasse mon stuff. Est-ce que j'ai des armes intel avec ce perso? J'ai buté Nathanos en... un spécaster. Deux semaines qui dit que je vais changer d'espoir avec son pool. Mais oui, c'est juste que j'ai la flemme. Oh, il est où le lipstick? Il est là au milieu de tous. Et d'ailleurs, je vais me mettre un autre repère pour ce BG là. Peut-être faire un clip Lipstick qui meurt dans le vide. Commémorer. Oh le voilà, le voilà, le voilà. Oh il a le recul. Je pense qu'il est tout seul là, celui-là, Artega. Il est pas avec son équipe. Il doit être en solo. Faudrait que le totem anti-fear on puisse le placer quand on est fier. Comment tu veux qu'on prévoit ça en champ de bataille? Bon, ok, je sais, t'es censé le prévoir en arène. Merde, j'ai raté mon kick. Yes, il est dead! Hadouken! Je vais rester là, ça repop. Ils ont besoin d'aide à Draenei et à les potes. Je vais y aller tout seul. Je suis le bus. Y'a le lipstick derrière vous! Shootez-le! C'est bon, il est mort! Je sais pas pourquoi Artega il a autant la haine envers Lipstick. Qu'à cause de tous les BG solo que t'as perdu quand il était en face de toi. Ou c'est juste pour le fun. Il vous a traumatisé ou quoi? Moi, pas tant que ça, je l'ai pas croisé souvent. Mais j'ai l'impression que Arte il a croisé souvent avec son démoniste. Et qu'un jour il y a eu la goutte d'eau. Qui a fait déborder le vase. Ok, en fait c'est leurs soigneurs qui sont pas stuff, et le moine il est pas très stuff, du coup il se fait défoncer. C'est un soigneur de moins, ça explique pourquoi... difficile. Ça repop! Arte derrière, derrière!
Ok, il n'y a qu'un pauvre chasseur. Est-ce qu'on gagne avec ce dernier drapeau? On est à 5400. Ouais, c'est simple. J'ai tout le monde. Wow, j'ai fait 3 kills. Incroyable. Qui c'est qui s'appelle? C'est Myrni. Shaman LM. Ouais, c'est ça. Faut que je passe Shaman LM. Aïe, aïe, aïe.